الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا أبنائي الأعزاء في هذه الحصة الجديدة والتي تعلقنا طبعا ب أورتوغراف ديكتي يونيتي 2. طبعا القسم هو 5 اني بريمير، المرجع هو بور كومينيكي اون فرونسي. إذا طبعا العنوان هو لا كور دو بارتيسيباسي امبلويي افيك اتر افيك لو سيجي. Employé avec être, le verbe être avec le sujet, yani l'accord du participe passé employé avec être. J'observe et je découvre, voilà un cravado. Hier, à l'école, nous ne sommes pas entrés en classe. Nous sommes restés dans la cour. Nous ne sommes pas entrés en classe. Maintenant, nous sommes restés dans la cour. Le directeur est venu nous parler de la journée. Le مدير جاءنا باش يتكلمنا على هذا اليوم هذا. La journée de la coopérative scolaire. اليوم طبعا للتعاون المدرسي. La journée de la coopérative scolaire. Ensuite, هذه التعاون المدرسي. Nous nous sommes répartis en groupe. يعني توزعنا قمنا مجموعات. Les petits ont nettoyé la cour. C'est rare. Nettoyer la cour. Les grands ont repeint les murs. Yani, les murs. Moi, je voudrais. Combien y a-t-il de phrases dans ce texte? Combien y a-t-il de phrases dans ce texte? نعم. كنت نشوف شحال كاين من نقطة ها واحدة ها جوج ها طبعا. Je répète. Hier à l'école, nous ne sommes pas entrés en classe. Première phrase. ها واحد. Nous sommes restés dans la cour. Deuxième phrase. Le directeur est venu nous parler de la journée de la coopérative scolaire. Ensuite, nous nous sommes repartis en groupe. À Arba Jumel, les petits ont nettoyé la cour. Khamsa. Les grands ont repeint les murs. Donc, Adna, six phrases dans ce texte. Il y a deux phrases dans ce texte. Qui n'est-ce ça? Je serai le verbe conjugué dans chaque phrase. Voilà. Ah, ouais, j'ai oublié la phrase. Adna l'oulania. Nous ne sommes pas entrés. Il y a le verbe être, ma participe passé. Nous sommes entrés. Non, nous sommes restés. Nous sommes allés. Non, est venu. Est venu. Nous sommes répartis. Nous nous sommes répartis dans le verbe pronominal. Les petits ont nettoyé. Ont nettoyé. Les grands ont repeint. Repeint. Je veux que souligner ça. Je dis à quel temps il conjugué. Tabam, passé composé. Il conjugué au passé composé. Passé composé de l'indicatif. Maintenant, à partir du texte, je complète le tableau suivant. Verbe conjugué avec le verbe avoir. Verbe conjugué avec le verbe être. Voilà. Nous nous sommes entrés. Enfin, le verbe entrer conjugué avec le verbe être. Entrer. Aïe. Thomas, nous sommes restés. Nous sommes restés avec le verbe être. Et venir. C'est-à-dire venir avec le verbe être. Aïe, venir. Thomas, nous nous sommes répartis. Se répartir. Se répartir. Se répartir. Ça va. Verbe conjugué avec le verbe avec être. L'auxiliaire être. On a les petits. On nettoyer la cour. On nettoyer avec le auxiliaire avoir, le verbe avoir. Les grands ont repeint les murs. Repeindre, tabaan, le verbe avoir. Voilà, on a l'ajdouel, le verbe avoir. Non, Galolina, je cherche d'autres verbes qui se conjuguent avec être au passé composé. Et je l'écris. Maintenant, le verbe, arriver. Je suis arrivé, tu es arrivé. Se promener, tanzaha, ali, je suis allé. Partir, je suis parti, partir. S'approcher, verbe pronominal, il doit être seul, qui condiment, mais le verbe être. Monter, monter. Ce sont des verbes qui se conjuguent avec le verbe être, l'auxiliaire être. M'chiou, je retiens, employé avec l'auxiliaire avoir. Le participe passé ne s'accorde pas. Le participe passé, ma qui change, ne s'accorde pas avec le sujet. Maintenant,
élan, salut. Maintenant, nous accordons même à la féminin, mais on a deux accents. Elles ont sali. Mais maintenant, féminin pluriel, il ne s'accorde pas avec l'auxiliaire avoir. Employé avec l'auxiliaire être, le participe passé s'accorde avec le sujet. Il s'accorde. Maintenant, il y arrive. Il y a la troisième personne singulier. Ou la dernière troisième personne plurielle, on dit de S, dit le pluriel. Parce que l'auxiliaire être s'accorde, le participe dialogue, le participe passé s'accorde avec le sujet, lui, ou elle jamais. Chevenant, elle y arrive, il y a du féminin singulier, donc on ajoute E, dit le féminin. Le participe passé s'accorde avec le sujet, avec l'auxiliaire être. Elles sont arrivées, voilà, elle féminin ou le jamais pluriel, donc on ajoute E et S. Et donc, avec employé avec l'auxiliaire avoir, le participe passé ne s'accorde pas avec le sujet. Mais employé avec l'auxiliaire à être, le participe, il s'accorde avec le sujet. S'accorde avec le sujet, voilà. Hayat ba el mouannad, zna la e, el mouannad avec ezel pluriel, zna es. Hna, il est arrivé donc, troisième personne singulier, masculin. On a troisième personne pluriel, masculin, on ajoute S, dial jamais. Et dans le cholassa, on a employé avec l'auxiliaire avoir, le participe passé ne s'accorde pas. Ou employé avec l'auxiliaire être, le participe passé s'accorde avec le sujet. Et non, je m'entraîne, yani, j'entoure le participe passé qui convient dans chaque phrase. Yani, j'entoure. Les élèves on remercie. Madame, l'auxiliaire avoir, elle ne s'accorde pas. On va remercier. Maman est revenue avec elle. Elle a l'auxiliaire être ou a dit féminin. Maman est revenue avec eux. Les filles sont de le verbe être. Oh, les filles, c'est un féminin pluriel. Angolo, rester. Deux e accent S. Rester. Deux e accent S. Les nalèches, féminin au pluriel. Ou l'auxiliaire, être. Mes frères sont allés. Et dans de mes frères, Moudakar, masculin, ou qui pluriel. Et dans le cas, on a ES. Accent S. La maîtresse a écrit. Léana, la maîtresse, même en féminin, ou là, qui a l'auxiliaire avoir. Elle ne s'accorde pas. Le participe passé ne s'accorde pas. Parce qu'on écrit, a écrit un texte sur le tableau. Voilà. Monsieur, deuxième question. Je réécris le participe passé en effectuant l'accord avec le sujet quand il faut. Quand il le faut. Maintenant, les voyageurs sont de l'auxiliaire être, taban, ils s'accordent, le participe passé s'accorde. Les voyageurs, en tout cas, ES, accent S, car on a le masculin pluriel. Ou on a l'auxiliaire être, les enfants ont, l'auxiliaire avoir, ils ne s'accordent, le participe ne s'accorde pas, parce qu'on a fait leur devoir. La professeure est entrée. Le verbe l'auxiliaire être, il s'accorde, le participe passé, il s'accorde avec le sujet, il a dit de E, dit le mouannas. Tes amis sont venus, l'auxiliaire être, alors il s'accorde, le participe passé s'accorde avec le sujet, tes amis, moudakkar ou jamais, il y a tes amis, moudakkar ou jamais, pluriel, ou pluriel, au masculin, on ajoute S. Les filles ont joué, l'auxiliaire avoir, et ne s'accordent pas. On joue. Maintenant, j'y m'évalue. Je réécris les phrases suivantes en conjuguant le verbe au passé composé. Elle saute à la corde. Elle a sauté. Elle a sauté. L'auxiliaire avoir ne s'accorde pas le participe. Elles sortent à l'école à 6h. Elles sont sorties. ES, diel mouannat, elle, ou diel pluriel. Ou adna l'auxiliaire être. L'auxiliaire être. Elles aiment les jeux. Elles ont aimé les jeux. Elles ont aimé le jeu. L'auxiliaire avoir, le participe passé ne s'accorde pas avec le sujet.
Elles vont au cinéma. Elles sont allées. Elles sont allées au cinéma. L'auxiliaire être, alors le participe partie s'accorde avec le sujet. On ajoute e diel féminin et s diel pluriel. هذا بالنسبة للجميفاري. طبعا أهم حاجة اللي شفنا اليوم ومهمة بزاف هو employé avec l'auxiliaire avoir. Le participe passé ne s'accorde pas avec le sujet. Par exemple, au lieu employé avec l'auxiliaire être, le participe passé s'accorde avec le sujet. Et dans le verbe être, le participe passé s'accorde avec le sujet. On ajoute s, au mouannet, on ajoute e dial mouannet, dial féminin, s dial le jamais. Ou la carrière mouannet, elle est arrivée, on ajoute e si on a l'auxiliaire être. Si on a l'auxiliaire être. Donc le participe passé s'accorde avec le sujet.